Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo du déménagement que je vais tourner ici en Bourgogne puisque demain c'est le grand jour entre guillemets et on rentre dans le sud. Donc aujourd'hui vraiment on a un gros programme. Là je suis chez une amie, je vais rentrer je pense vers midi chez moi. Il faut qu'entre temps que j'aille m'occuper d'un chat avant de rentrer. Et du coup cet après-midi il faut que je m'occupe d'enlever les portes automatiques des poules et des canards, que je prépare le clapier pour les cochons de la nuit, que je range toute ma chambre, que je range toute la maison, que je enlève les terriers des lapins. Faut aussi que je nettoie ma voiture. Ce soir à 22h, je dois aller chercher mon père à la gare. Du coup, on a un bon gros programme aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Ah oui, il faut que je prépare les boîtes de transport. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avant de la commencer. Alors là, le problème pour cet après-midi, je profite avant qu'il pleuve, j'espère qu'il va pas pleuvoir tout de suite. Donc il faut que j'aménage, hop là, enfin faut que je range toutes les affaires des lapins, que j'aménage ce clapier pour les cochons d'Inde pour cette nuit parce qu'ils vont dormir dehors tout simplement. Comme ça, je pourrais finir de ranger ma chambre. Voilà. Et après, enfin c'est même ce que j'ai commencé par faire, il faut que je regarde si j'arrive à retrouver les anciennes portes du poulailler que j'avais avant, les portes automatiques, pour enlever les portes automatiques parce que je vais les redescendre dans le sud. Parce que bah, on va en avoir besoin dans le sud tout simplement. Et comme ça je remplacerai. Donc j'espère que je vais arriver à les retrouver. Donc il faut que je fasse ça. Et après il faudra que je prépare toutes les boîtes de transport de tout le monde. Et que je monte celle des cochons d'Inde parce qu'il faut que je la fabrique. Vu qu'il m'en manque une pour eux. Donc il faut que je fabrique la boîte de transport des cochons d'Inde. Voilà, on va déjà commencer par faire ça. Et après il faudra que je nettoie toute la maison. Enfin j'ai déjà commencé mais je continue à nettoyer. Bon, bingo, je les ai trouvés. Elles étaient pas très loin, mais par contre, elles ont pris l'eau, donc j'espère que ça va encore rentrer. Donc sinon, je sortirai la perceuse et je referai des trous. Très bien d'arrêter de me grignoter les petits orteils, les coin coin. Bon du coup là c'est le bazar de ouf mais j'ai toutes mes caisses de transport. Donc dans les deux grandes je vais mettre les chats. Dans celle-là je pense que je vais mettre les poules. Dans celle-là, bon celle-là elle est hyper vieille du coup elle est... J'arrive plus à enlever la saleté mais c'est pas très grave, de toute façon je vais mettre de la paille. Dans celle-là je vais mettre je pense miel et frosty. Et après, il faut que je construise une cage pour les cochons d'Inde, que je vais faire quand j'aurai fini de faire ce que je vais faire là. Et après, j'ai la cage de Sifty que je viens de sortir du poulailler, et la cage des canards qui est dans le creux des lapins, parce qu'elle est énorme, du coup, je laisse bah, ils allaient dedans, quoi. Donc là, je vais prendre les caisses, du coup, des poules et de miel et frosty,
et je vais aller mettre de la paille dedans. Et après, les chats et les cochonnants, ils auront un plaid. Voilà. Comme ça, c'est. Bah, c'est. Les lapins, bon, j'aurais pu leur mettre un plaid. Les poules, c'est pas très cool. C'est pas, enfin, c'est pas très bien pour eux d'avoir un plaid. Parce que sinon, ils vont faire leur besoin dessus. Et voilà, les chats, je pense que c'est mieux pour eux d'avoir un plaid. Donc, je vais faire comme ça. Du coup, voilà pour les boîtes de transport, c'est bon. Il faudra juste que dans celle des cochonnants, je rajoute de l'herbe et quelques bouts de carottes et quelques bouts de carottes et de l'herbe dans celle des lapins. J'aurais mis du foin aussi finalement, plus que de la paille. Et voilà, donc les chats, j'ai juste mis un drap, les cochons d'Inde, hop là, j'ai mis un petit dodo et un petit truc comme ça. J'ai mis juste deux vis parce que de toute façon, ça sert à rien que je visse les quatre. Voilà, je vais juste en visser deux. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, ils peuvent, en soi, ils peuvent sortir par là, mais ils sauteront jamais aussi haut. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les cochons dans cette caisse que j'ai fabriquée. En tout cas, je suis contente, je trouve que l'idée est vachement bien, parce que là, bon, on n'a pas beaucoup de place dans la voiture. Donc j'ai fait qu'un cube, mais j'aurais pu relier deux cubes pour leur faire une bonne, enfin une caisse de transport plus grande, où ils aient plus de place. Donc voilà, là vraiment, en manque de main, je vois qu'on a de la place, mais là vraiment, déjà, il y a... J'ai au moins deux fois ça comme à faire pour rentrer dans une petite voiture. Enfin, une petite voiture, une voiture normale, mais bon. Ouais, ça va être un peu juste, donc j'espère que ça va passer. Et du coup, voilà ce que j'ai fait pour les cochons avec, du coup, les plaques du château. Voilà. Et après, bon, bah, celle des canards et celle des poules avec juste de la paille. Voilà, il faut encore que je monte et que je range tout ça. Et après, il faudra qu'on range tout le haut. Enfin, c'est ce que je vais faire maintenant, d'ailleurs. Ça y est, j'ai fini de ranger ma chambre. Alors, bon, du coup, c'est, enfin, j'ai mis toutes les affaires que j'ai, mais que je vais pas, enfin, quasiment toutes, que je vais pas avoir besoin tout de suite. Donc, j'ai tout mis là, et genre, il y a énormément de trucs. Et après, sinon, bon, j'ai fait ma chambre, j'ai nettoyé toute ma chambre, j'ai nettoyé toute la maison, donc la maison est toute propre, donc ça, c'est cool. Là, ce qu'il me reste à faire pour ce soir, c'est, il faut que j'aille reboucher.
tous les terriers des lapins en fait, genre tous les petits là, et il y en a un très très gros là-bas. Donc je vais aller faire ça et après j'irai me doucher. Je sens qu'il est déjà 19h30, ça passe hyper vite. Petite pause montage du coup de la vidéo que j'ai filmée hier. Les changeons sont enfermés, là il est 21h30, je vais chercher mon père, il fait encore vachement jour, mais les changeons sont là, je leur ai mis plein d'accessoires comme ça pour pas qu'ils aient froid, pour les couper du vent. Mais bon, normalement les clapiers béton ça coupe bien du vent. Bon, là il y a Fiti et Miel qui est enfermé, et Frosty aussi, et on va aller enfermer les coins coins. Allez Lila! Faut pas se presser dans la vie. Là, donc je suis allée récupérer mon père. Il y a Ricard qui vient me dire au revoir. J'ai nourri les petits chats et puis maintenant on va attaquer le montage de cette vidéo-ci. Comme ça j'aurai pris de l'avance et demain je serai tranquille. Parce que demain je pense que je vais me lever, enfin je vais me réveiller à 7h, comme ça on va essayer de partir tôt. Et de toute façon, je vous filmerai la journée de demain. Bon du coup je vais vous clôturer cette petite vidéo avec les chats, comme d'habitude on ne perd pas des bonnes vieilles habitudes. J'espère que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est le cas.